Yo, bande d'orgies, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft hein, tout simplement pour vous montrer un pack de textures que j'aime beaucoup hein, tout simplement sur Minecraft qui j'ai repris un petit peu le concept, hein, mais je vais un petit peu parler comme ça au début pour vous expliquer car c'est l'épisode 1 on va dire, l'épisode un peu pilote. J'ai niqué des plans, non c'est bon ça va, ça va. Bon des fois j'ai des ralentissements, je sais pas pourquoi, ça doit être parce que je filme mais j'ai pas vraiment l'habitude de filmer sur Minecraft, je vous l'avouerai. Donc j'ai vu que Kexa avait fait une série donc qui était spéciale PVP et là j'avais envie de vous faire une série spéciale comment dire déco survie, enfin bref des packs de textures tout simplement. Donc si vous jouez en survie ou si vous êtes plutôt plutôt de type constructeur de génie, c'est pour vous. Donc là nous avons tout ce qui est champ conneries, hein. C'est la première fois que je suis sur cette map, donc c'est pour ça que vous m'excuserez, hein. Je la connais pas forcément, donc là c'est les patates, ça c'est encore des patates. Donc c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut casser? C'est... Waouh! On va remettre le pack de texture de base. Petit lag, hein, bien entendu. Ah oui, c'est un nouveau... C'est des betteraves. Très bien. Je les avais jamais vus. Donc le mec il se documente même pas un petit peu sur le jeu. Oui sur le jeu tout simplement. Donc des betteraves, les patates. Donc les betteraves c'est nouveau, donc je connaissais pas du tout. Les pommes de terre, les carottes. Après nous avons le blé. Donc hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bref, ça c'est les melons, je pense. J'en suis même sûr. Hein, les melons, tout ce qui est melon et pumpkin. Par contre, le lapin, tu fais chier. Oups, merde, on s'en fout. Le truc du Nether, les verrues. Donc pour ceux qui sont plus de type à vouloir aller dans le Nether avec les cocobines, hein, pour ceux qui veulent faire un petit peu de gâteau. Donc là, on passe la porte en bois, je ne sais pas laquelle c'est. Donc là, nous avons tout ce qui est item. Merde, c'est quoi la touche pour le prendre? Bon bref. Ah merde, je l'ai enlevé. Le mec qui fait n'importe quoi. Bon, je vais juste vous les montrer là, du coup. Comme vous avez pu le voir, tac, je vais peut-être les prendre. Donc, tout ce qui est épée. Juste les épées. Hein. Diamond Sword qui est très joli. Golden Sword qui est magnifique aussi. Donc, l'Iron Sword. Vachement large hein, comme épée. Hein. La Stone Sword. La Diamond Sword qui est magnifique. En rouge, comme ça, j'aime beaucoup. Et la Golden Sword qui est encore plus jolie. Enfin, je préfère à la Diamond Sword. D'ailleurs, on va balancer ça aussi. Après, tout ce qui est faux, je vais prendre tout ce qui est en diamant pour vous montrer un petit peu vite fait, hein, bien entendu, les différents outils. Parce qu'après, c'est juste. C'est juste. Oui, comme vous pouvez voir, c'est en 1.9, hein, vu que ça met un peu de temps à sortir. Ah, la faux est plus rapide à sortir. J'avais jamais remarqué. De toute façon, je ne bats pas souvent la faux. C'est juste pour du gros délire. Donc là les pelles, les name tags, les flèches en dessous, le lasso, les cisailles, les têtes des mobs, et puis un petit arc hein, tout simplement, les bibios, ça c'est les... vous savez, moi j'arrive plus à savoir comment ça s'appelle, le four, les coffres, enfin double coffre, tap crafting, autre coffre, ça c'est les coffres il me semble, avec la redstone hein, pour activer des pièges et tout, le lit. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça doit être les petits panneaux. Puis, ouais, voilà. Les portiques. Donc, les différents. La bûche. Pourquoi je pète les bûches? On s'en fout. Le pot de fleurs. Tac. Ah, il y a des petits lags, ça m'énerve. Les soupes. Donc, ça, c'est le bol vide. Tac. Avec la bouffe. Donc, les pommes qui sont assez jolies, j'aime beaucoup. Ensuite, avec le petit gâteau. Et bon, ça, c'est le reste des items que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là nous avons tac, encore de la végétation, hein, le bouquet enchante, les popos, le système d'enchantement, donc là avec le lapis, l'objet, la carte, que pas encore découverte, donc c'est pas bien grave, on s'en fout. Les armures, donc l'armure en or avec la petite couronne. Ah, elles ont toute la... Ah non, j'allais dire elles ont toute la petite couronne, non c'est juste pour Qu'est-ce que c'est? Ça doit être les... Mailles, c'est les mailles, très bien. Les mailles, le cuir, qui est assez sympa, le petit détail là, l'armure en diams et l'armure en fer en haut.
Donc je pense qu'on va passer, ça c'est le coffre de folie. Qu'est-ce que c'est? Donc là pour les forêts, forêts champignons, vous pouvez le voir, les champignons sont plutôt faits comme ça, avec quelques petits tableaux, mais on les verra plus tard, il me semble qu'ils sont sur le toit, si mes souvenirs sont bons. Donc petite maison, on s'en fout. La savane, maintenant. Je vais peut-être refermer les portes parce que si je réutilise la map. Avec ça, ça doit être des blocs de lapis. Blocs de lapis, des villageois. Oups. Des villageois avec des têtes de cobble. Hein. Je sais pas ce que c'est. Très bien, très bien. Ça, c'est plutôt pour le bois savane, il me semble. La jungle. Très intéressant, la jungle. Avec les lianes, les melons. Qui sont assez sympas, assez épurés. La cobble, les cocobines que nous avons vues tout à l'heure. On va pas s'y attarder longtemps. Le birch forest, donc c'est le... Comment on appelle ça en français? Tac, tac, tac. Est-ce que si je l'ai sous les yeux... Non, c'est juste birch. Bon, bah, je l'ai en anglais, le jeu, c'est pas bien grave. C'est le bois blanc. Hein. Le bois le plus dégueulasse du jeu. Qui est pas mal, hein. J'avouerai que les bûches comme ça, j'aime bien. Avec les petites pumpkins. Petite citrouille. Petite citrouille de qualité. Donc, on continue, hein. Donc une vidéo peut-être un peu plus longue que les packs de textures que ça vous fait. Hein. J'en suis conscient, mais c'est, ils sont un peu plus complets aussi, c'est pas que du PVP. On va se les yeux, on peut foutre encore des poules. Hein. Tac, petit poulet. Merde, je suis chié dessus. Donc là, la forêt de base, avec des nénuphars. Hein. Ouais, c'est la première fois qu'on voit les nénuphars. Le feu, et ça c'est les... comment ça s'appelle là? Ouais, les veines en métal, je ne sais plus où elles sont, tac 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 tac. Avec les pumpkins, les poissons, différents types de poissons, donc cuits et crus, puis vivants aussi. Ça c'est les squidfish, les poissons clous, très bien. Il y a un étage. Ah oui, avec un petit effet 3D que j'aime beaucoup, putain, quand le jeu perd des FPS comme ça, ça m'énerve. Les petits effets 3D sur les échelles, est-ce que le son a été modifié? Non, c'est le son de base. C'est pas bien. Quoi. Tac. Si je pouvais, merci, sortir de là, ça m'arrangerait. Donc, le biome taiga. Avec le biome hiver, hein, j'aime bien l'appeler comme ça, avec les sapins. Hein, qui sont... Je vais voir le détail, mais ils sont assez jolis. J'aime beaucoup. Avec toujours des petites lianes au mur, c'est ça? Non. Non, c'est de la cobble moisie, d'accord, de la mossy cobble. Avec des petits loups qui ont... pas l'air d'avoir changé tant que ça, donc on s'en fout. On va courir un petit peu le désert, donc avec le bambou, qui est un beaucoup plus foncé, les cactus, qui sont un peu plus détaillés. Ça c'est quoi? Ça c'est des plaques. Ouais, on va laisser ça. Ça c'est les temples avec de la lave que j'entends. Je sais pas où elle est, mais je sais qu'elle y est. Donc là, c'est les marais. Donc, avec le bateau, qui est un peu amélioré. Par contre, je sais pas pourquoi l'eau traverse. Peut-être un bug, mais j'aime beaucoup les petites... Et là, j'ai un manque de vocabulaire aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc avec quelques champignons, le truc pour... Ah, d'accord. RT. On peut peut-être recharger la map tout à l'heure. Mais qui défonce tout, quoi. Il est où le gros bucket pour foutre l'eau? Là. Le chaudron. Voilà. Alors foutu un chaudron, on est heureux. Donc, on va vite s'en aller parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau hein, finalement. Hein, juste les arbres de base. Puis la petite maison des witch. Donc on va continuer là-bas. Hop. Donc là, ça, on s'en fout. Huge explosion. Ah d'accord, les explosions. Les petites explosions, plus larges, et les grosses. Donc, qui sont toujours avec la TNT. Hein. Mob appearance. Oh. Ça c'est dans les... je sais plus dans quoi c'est. Ça c'est le dragon, ça c'est les nuages, les snow. Fire. Spell. Qu'est-ce que c'est? Instant spell. Je sais plus ça, c'est quoi. Donc, ouais, vous avez les différents speed attack.
Après, ils attaquent, très bien. Bon, ça, c'est bien fait. Avec le zombie, du coup. On peut... Ça sert à quoi? On s'en fout. Mob spell. Happy villager. Okay, bah, quand ils sont heureux, ils ont ça. Hungry village. Ah, ça, c'est quand on les tape. Witch magic. Quand le balance, c'est popo. Qu'est-ce que c'est? Portal. Aïe, je l'ai cassé. RT. Le slime. Quand il est en mouvement. Le loup. Quand il nous aime. La spider. Quand elle se prend des coups dans sa gueule, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, la lave qui tombe, les petits effets de particules, et ça, c'est quand. Bah non, c'est des choses, il me semble. Donc là, tac, pareil. Quand vous nagez, ça, c'est les particules d'eau. Je sais plus. Je ne sais plus, c'est une bonne question. Les bulles. Ça, c'est bien foutu, j'aime beaucoup cette map. Là, les def, ça c'est avec les bottes améliorées, il me semble. On s'en fout, et ça. Ok. D'accord. Plutôt nice. Je sais pas ce que c'est. Les snowballs. Enfin, et, quand les snowballs se prennent des murs dans la gueule. Hein. Pourquoi il y a du feu? Ah, d'accord, c'est pour la fumée. Magic critic. Ah, donc ça c'est quand on met des coups critiques. Hop, note, tac tac tac, l'enchantement, quand on met des livres à côté, les flammes et la fumée, très bien, on continue, donc là il n'y a rien du tout, là il y a un creeper solo, ah, hop, je sais pas si elle est finie, on va pas s'y intéresser tant que ça, hein, parce que il y a quoi au sous-sol, ça, je découvre la map avec vous, donc ah oui les mobs. Donc le poulet avec le poulet cuit, le poulet cru, le lapin avec tous ses loots, hein, c'est tous les loots des animaux. Pas mal là, le steak haché cru, le beau petit cochon. Pas mal, j'aime bien les viandes crues, elles sont... j'ai trop joli. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est rien, des loups. Loup domestiqué, l'Underman avec les yeux de l'Under et les bouboules de l'Underman, les snowballs, les fleurs et les lingots, les villageois encore, tous les autres types de villageois. Tac tac. Les armures qui n'ont pas changé d'un pouce, les chevaux, l'âne, un autre âne, un cheval de folie, je sais pas ce que c'est que ça, le slime cheval, le cheval squelette, ça c'est avec la 1.9 il me semble, ça c'est un coquillage, très bien, ok alors bruit, ok, donc avec leur loot, ouais bah, ça loot aussi de la poudre, hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis la poudre, mais c'est pas grave. L'araignée des mines qui est plus petite. Le squelette, les witches, le bébé zombie encore. Bébé zombie villageois, je veux dire même. Villageois, les zombies de base. Là, c'est quoi? Ah oui, donc là, tous les animaux marins, donc les poulpes, qu'on voit pas tant que ça, qui n'ont pas changé, il me semble. Les squelfish, là, je sais plus comment ça s'appelle. Lui, c'est le boss, il me semble. Avec ses loot aussi, les Nemo, donc toutes ces conneries. Le magma cube. Le slime, le gros slime, le... Comment s'appelle cette saloperie? Wait. Je sais plus. Les bats, ça c'est quoi? C'est une petite saloperie ça. Les blaze, qui est en train de brûler d'ailleurs. L'under squelette, enfin le squelette du nether. Vous avez compris. Les différents types de lapins. Oh putain, il y en a du lapin. Il y a du lapin par là. Hop, tac. Un vrai clapier de bordel, le matou, un autre type de matou, un autre type de matou, et l'ocelote non domestiqué. Plein de poneys. La folie des chevaux, hein. Tac, tac, tac. Ils ont pas été changés, il me semble. Les moutons, ah oui. Niveau le faciès a été bidouillé, il me semble. Avec derrière la laine. Avec un petit effet que j'aime beaucoup, petit effet de vague, petit effet de qualité. On va retourner en haut. Tout simplement. Parce que, tac, 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 là on y allait, on va monter à l'étage suivant, essayer de vite se dépêcher, des tableaux, cave system, ah oui, donc tout ce qui est minerai, donc le minerai d'or, le minerai de fer, les blocs dans des wagons, j'avais jamais vu ça, les lingots, le coal, le charcoal, je pense qu'il y a, ils ont le même sprite, c'est bizarre, redstone, lapis,
Je sais pas ce que c'est que ça. Ça, on s'en fout. Le gravier, les webs, le charcoal, enfin le coal tout simplement, le charbon, toujours le petit échelle, petites torches qui sont sympathiques ma foi, les wagonnets, tout ça, la TNT en wagon, sympathique, sympathique, l'émeraude, le lapis qui est sympathique aussi, et le diamant que je vous ai pas montré il me semble, l'opsy hein. L'opsy, ça doit être le truc incassable, je sais plus comment ça s'appelle, vous m'excuserez. Je peux pas tout retenir. Mais où est donc le diamant? Y a pas de diamant. Y a pas de diamant. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Où est donc le diamant? Attendez voir. Où il est ce connard? Diamond or. Ah c'est rouge. C'est vrai que j'avais oublié que c'était rouge. Donc c'est ça. C'est pas de la redstone, c'était du diamant et je me suis trompé. Ça il me semble que c'est de la redstone. Ouais, la différence c'est pas folichonne hein, mais on peut s'en apercevoir. Le diamant brille un peu plus. On va continuer tout simplement. Le Nether. Avec l'anvil que j'aime beaucoup, hein, qui est très joli hein, avec les petits détails là. La boule de feu. Et puis les briques du Nether qui ont été améliorées avec le petit. Avec les, le quartz. J'aime bien aussi. Hein. J'aime beaucoup le. La lumière aussi qui est sympathique. On va vite s'en aller parce qu'on. On va se dépêcher hein, tout simplement. Tac, on trace tel des vilains. L'Ender. Ça c'est le c'est les cœurs de l'Ender. Ça je sais plus ce que c'est. La tête du dra-dra. Tout bien. Le biome est ça. Il y a un nouveau biome. Hein. Enfin, nouveau. Tout est relatif. Avec les. Comment on appelle ça? J'ai pas tous les noms des blocs en tête, hein, je suis désolé. Le clé. La clé. Clé de couleur, noir, marron, tout ça. Tac, tac. Pourquoi j'ai ça dans la main? On s'en fout. Les éponges. Avec les éponges dans l'eau. Tac. Elles doivent... Est-ce qu'elles sont en pleine de flotte? Je ne sais pas. Non, je pense qu'elles sont secs. Sèches. De l'or. Très bien. Mushroom Land. Avec les petites vaches, les petits mushrooms. Hein. La terre mushroom aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle... C'est un nom chelou. En tout cas, on s'en fout. Donc, on continue. Le flower. Donc, ah oui, le biome fleur. Je me souviens, j'avais fait un truc là-dedans. Et... Les fleurs coûtaient extrêmement cher. J'avais fait un truc où les fleurs coûtaient extrêmement cher. Du coup, j'avais récolté ça pendant... bien une heure et demie. Donc là, le... Ah! La glace! Oh! Ah, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. La petite glace. Petit effet sympathique. Avec ça, ça doit être le... La glace améliorée. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah! C'est pas ça? Non, ça m'a pas l'air d'être ça. Tac... Ça m'a pas l'air de ça, on s'en fout. Non, ça s'est pillé plutôt. Non, c'est pas la même chose. Donc la neige, du bois, je sais pas pourquoi il y a du bois, mais il y a du bois, les snowballs. Petit bug. Et c'est bon pour cet étage. J'essaye de rusher, de conclure ça en 20 minutes, mais pas facile. Donc les systèmes en redstone qu'on va torcher très rapidement parce que voilà la redstone. Tout ça. Là, c'est pour passer dans l'Under, dans le monde de l'Under. Après, on va casser ça comme des vilains. Et je vais vous montrer les quelques tableaux de ce pack. Tac. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour hein, de cette bâtisse, hein, tout simplement, de tout ce qu'il y avait à voir dans Minecraft. Et donc, je vous dis à la prochaine. Putain, il y a un zombie qui se fait la malle. Hein, il n'a aucun respect, ce bordel. Viens là, salaud. Et ouais.
Pâques la semaine prochaine. Je pense que je ferai ça comme exa toutes les semaines, tout ça, vous savez, vous connaissez les bails. C'était Hermoun, à la